Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir, je fais une petite vidéo pour vous proposer quelque chose pour la période de décembre. Je voudrais savoir si par hasard, en décembre, ça vous intéresserait de faire un swap sur le thème des boosters Pokémon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire en fait que ce sera en fait un envoi collectif où tout le monde envoie quelque chose à une personne et où on reçoit tous en fait une chose du coup d'une personne. Par exemple, on a Carapuce, Salamèche et Bulbida. Carapuce doit envoyer à Salamèche, donc il envoie son petit cadeau à Salamèche. Salamèche doit envoyer à Bulbizarre, donc il envoie à Bulbizarre et Bulbizarre doit envoyer à Carapuce. Voilà. Donc on envoie tous quelque chose en fait et on reçoit tous quelque chose. On a juste besoin d'acheter une seule chose, qu'on enverra du coup à la personne qui nous a été assignée et du coup on envoie tous quelque chose à la personne qui nous a été assignée. Donc je ne sais pas si c'est totalement clair ou pas. Mais en tout cas voilà, j'aimerais faire ça en fait sur le thème des boosters Pokémon. Savoir si ça vous intéresserait ou pas pour mettre ça en place en décembre parce que je me suis dit que ça pourrait être sympathique. Il faut savoir que quand on envoie. Alors vu que ça va être sur des boosters Pokémon, il faut savoir qu'en fait on peut très bien en fait envoyer un booster comme ça, d'évolution du coup, et recevoir du coup un booster offensive vapeur. Voilà, donc en fait ce qu'on recevra ce sera un booster totalement au hasard en fait. La personne qui aura choisi, ce sera pas forcément le même booster que vous, vous aurez envoyé. Mais en fait, voilà, c'est une totale surprise, quoi. Voilà, mais vu qu'on envoie tous et qu'on normalement on reçoit tous, je me dis que ça pourrait être sympa de faire un petit truc comme ça au mois de décembre. Voilà, sachant que je sais que pas mal de... Enfin, qu'il y en a certains d'entre vous qui sont mineurs. Donc, demandez l'autorisation à vos parents. Au pire... montrez-leur cette vidéo, voir s'ils seraient d'accord ou pas. Parce qu'envoyer quand même un booster Pokémon que vos parents auront acheté, ça peut ne pas plaire vraiment. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas à leur demander, sachant que le but c'est d'envoyer et c'est également de recevoir. Si normalement il n'y a pas de problème, franchement, je pense pas qu'il y aura de problème. S'il y a des problèmes, je réparerai moi-même le problème. Donc du coup, j'enverrai moi-même un booster à la personne qui n'en a pas eu. J'espère que ça n'arrivera pas, parce que si vous recevez, si personne reçoit les boosters, il faudra que j'en envoie à tout le monde, mais j'espère que ça qu'il n'y aura pas de problème. Donc voilà, s'il y a des problèmes, ce sera moi qui m'en occuperai personnellement. Voilà, donc rassurez-vous, normalement, ça devrait le faire. Donc c'était juste pour vous proposer ça, si ça vous plaira, sachant que moi-même je participerai, moi-même j'enverrai quelque chose, et moi-même il y aura quelqu'un qui devra m'envoyer quelque chose. Donc si par hasard le but vous intéresse, n'hésitez pas à m'en parler. Si vous êtes mineur, en parlez-en à vos parents pour savoir quand même si vous aurez l'autorisation de le faire quand même. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et du coup, si pas mal d'abonnés sont d'accord, je mettrai ça en place en décembre et du coup, tout ça se fera en décembre. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter surtout et à me dire ce que vous en pensez. Bonne soirée à tous !